Les gangs rivales commencent à me tirer dessus. Allez, on va d'abord régler ce problème-là. Ouf, il a failli nous massacrer. Est-ce que j'ai pris son arme? Ouais, voilà, maintenant j'ai une arme. C'est ça la voiture qu'on doit prendre, je crois. Je crois bien. J'ai échoué la mission, les gars. J'ai échoué la mission. En fait, il fallait pas que j'endommage la voiture. Allez, donne-moi ce que t'as. Putain, il a voulu m'échapper. 200 $, mais ils sont pauvres dans cette ville. Oh là là, les keufs viennent de m'attraper là. Ça devient difficile. Meurtre à main armée, les guys. Premier meurtre. On doit s'échapper parce que là... Ouais, les keufs, je les entends. Ils sont juste ici à côté. Ah, ils m'ont trouvé. Je suis épuisé. Je vais sauter. Je suis toujours en vie. Ah là là, oh, je me suis blessé. Je vais me rendre, les gars. Je vais me rendre. Wesh la famille, c'est Sergi, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons commencer une série sur GTA V. C'est une version Streetzer, les guys. On va commencer la Streets Life, les guys. Là, je viens tout juste du poste de police, les guys. On va commencer à zéro. On va essayer aujourd'hui de rejoindre un gang. Là, on va d'abord aller à la maison parce que là, j'ai pas d'argent. Non, j'ai de l'argent, je crois. J'ai $150 seulement sur moi. Ah là là. On va commencer la vie de Street Life. On va essayer d'être bandit. Allez, on va d'abord appeler un taxi parce que j'ai pas de caisse. Alors, si vous êtes abonné, vous savez ce que vous devez faire. Le rituel, c'est de liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous donc. Allez, c'est parti. On va appeler le taxi. Alors, j'ai oublié, il faut que je mette un point. On va aller tout droit à la maison là. J'espère que la maman va bien m'accueillir parce que là, bon, elle m'avait dit la dernière fois que c'était la dernière fois qu'elle allait accepter que j'aille en prison. On va voir si elle va m'accepter. Allez, on va à la maison, les guys. Alors, vous allez voir, j'ai installé plein de modes très, très intéressants. Voilà, on vient d'arriver à la maison. Quartier, finalement, ça fait après 2 ans de prison. Je suis de retour au quartier. Allez, on y va, on va voir. Ah là là, la maman n'est pas contente de m'accueillir. Elle ne veut pas m'accueillir, elle ne veut pas ouvrir la porte, regardez. Elle m'a dit que c'était la dernière fois que j'allais faire le banditisme. Voilà, alors là, on va devoir chercher un endroit où dormir. C'est pas ce que je vais faire. Alors là, comme je disais, j'ai seulement $134. Alors je sais pas, parce que l'appartement c'est $200. Pour la nuit, c'est juste $200. Alors les gars, je vais devoir chercher de l'argent. J'ai pas d'armes. Est-ce que j'ai des armes? Je sais pas. Je n'ai pas d'armes. Alors je vais devoir voler une voiture et essayer de la revendre. Allez, on va, je vais voir une voiture là-bas. Parce que j'ai besoin d'argent le plus vite possible. Allez, on va voler cette petite voiture-là. Parce qu'il n'y a que ça qui est disponible. Ah là là. Pas qu'on se fasse attraper par les policiers. Parce que là, ça devient difficile de... Voilà, j'ai installé ce mode. Ce mode s'appelle lockpicking. C'est pour débloquer la voiture. Attention, faut pas mettre
Allez, c'est parti les guys. J'ai installé aussi un mode pour rendre plus réaliste la conduite. Donc. Et puis les policiers peuvent m'attraper si je grille un feu rouge ou bien si je vais trop vite. Allez, on va aller directement vendre cette voiture parce qu'on a besoin d'argent. On n'a pas le choix, les guys. C'est ici. J'ai Simeon. On va essayer de garder cette vitesse à 40 km/h parce que là, il y a les keufs là-bas. Attention, faut pas qu'on se fasse attraper parce que les policiers, s'ils nous voient griller un feu rouge, ils vont nous arrêter. Donc, bon, là, j'ai bloqué ma vitesse à 40 km/h. En fait, c'est un mode que j'ai installé qui pourra me permettre de conduire comme dans la vraie vie. Ça serait un peu réaliste. Oh là là, je me suis trompé d'endroit. Oh là là, attention. Allez, on va mettre ça. On va parquer directement. On va vendre cette voiture. Voilà, on a vendu. Je vais aller rejoindre le gang du quartier parce que j'ai assez d'argent. Bon, j'ai faim, j'ai soif là. J'ai soif, je viens de voir. Et j'ai aussi installé un mode pour que ça soit plus réaliste, pour que comme ça mon personnage aura faim, aura soif. Ici, je peux vendre les voitures et les acheter. Donc, regardez, le nom du mode, il est juste là. Premium Deluxe Motorsport, mais tu peux aussi acheter en ligne. Alors c'est parti. Alors là, j'aurais besoin d'une caisse. On va voler celle-ci. Elle m'a l'air bien. Non, je crois que je vais prendre plutôt une 4 roues. Plutôt une 4 portes. Allez, on va essayer de débloquer ça. Voilà, on débloque et on entre. Allez, c'est parti. On va allumer. J'oublie tout le temps. J'ai installé un mode en fait pour allumer. Ah là là là, sur la musique là. Alors, je sais pas qui a parqué cette voiture, mais il a très mal parqué. Allez, on part. En attendant qu'on vende notre caisse, j'espère qu'on va gagner beaucoup d'argent parce que là, je vais directement aller acheter quelque chose à boire, quelque chose à manger parce que je crois que j'ai rien. Et on ne sait jamais, il peut arriver des choses. J'ai installé aussi un mode d'essence là. Donc je peux cacher la map. La map, je vais la cacher quand il y aura les policiers à ma poursuite. Ça sera pour faire un peu plus de réalisme, quoi. Parce que sinon, ça serait trop facile de voir où sont les policiers. Alors, cette série aussi m'a été inspirée par Isaac Frostifi. Si regarde la vidéo, franchement, ta série là, ça nous manque les streetzer. On veut voir. Alors, je me suis dit pourquoi pas faire une série pareille. Mais j'ai été inspiré par Isaac Frostifi. Je sais que si vous regardez cette série, bon, si vous êtes là et vous êtes nouveau sur la chaîne, certainement, vous êtes là pour ça. Allez, on va aller acheter quelque chose à boire. On va acheter alors plein de sandwichs là. On va remplir. On va acheter aussi ça. On va remplir et puis on va acheter ça aussi. Cigarette. Ça me permet de ne pas nous. Est-ce que j'ai de l'argent? Oh, j'ai plus d'argent. Ouais, j'ai tout dépensé. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah là là. J'aurais besoin d'argent. J'ai tout dépensé dans la bouffe là. J'ai que 5 dollars maintenant. Attendez, je sauvegarde les guys parce que parfois tous ces modes que je viens d'installer là, parfois ça peut faire un bug. Allez, on va dans la voiture et on va essayer de rejoindre le gang du quartier, comme j'ai dit, en attendant qu'on vende notre voiture. Ça prend du temps, hein. Ça risque de prendre toute la journée pour qu'ils trouvent. Ok, on a pu vendre la voiture. Allez, on a 100 dollars. Ah là là, c'était moins cher cette voiture. On a gagné très peu d'argent, les gars. Très peu, 100 dollars, c'est pas vraiment beaucoup.
Allez, on va rejoindre le gang, on va voir si eux, ils peuvent nous servir à quelque chose, parce que là, 100 dollars, franchement, ça peut nous servir à rien. Il nous faut directement 1000 dollars au moins pour commencer, parce que là, on aura besoin de dormir et de manger. Chaque fois, j'oublie d'éteindre la voiture là, il faut que j'éteigne. Allez les gars, on y va. Yo 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 yo, comment ça va mon gars? Ça va bien mon gars? Ouais, on est là, on est là. Est-ce que ça va bien mon gars? Voilà, voilà, ça c'est Roger, c'est Roger. Ouais, c'était un gars qui m'a trop aidé. On la police, il venait me voir en prison. Ça c'est Shanice. Et elle est fâchée contre moi. Ça c'est Jessica là. C'est Jessica. Comment ça va, Jessica? Ouais, ça fait super longtemps, Jessica. Allez, je te fais une bise là. Ah, ça fait super longtemps. Ah. Ouais, ouais, je suis là pour rejoindre le gang. Je suis là pour rejoindre le gang. Est-ce que Quick J est là? Oui, il est là. Ok, ok, ok. Yo, 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 yo. Yo, Jérôme. Et toute l'équipe est là. Toute l'équipe est là. Allez, on va rejoindre le gang. Est-ce que je l'ai déjà rejoint ou bien je vais les rejoindre? Je l'avais déjà rejoint en fait. Ok, 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 ok. Je suis déjà dans le gang, les guys. Allez, on vient juste de rejoindre le gang. Yes, yes, yes. Je fais partie du gang, mon frère. Comment ça va? J'avais déjà rejoint le gang, je me rappelais pas. Allez. Yo, yo, yo. Allez, on va faire équipe. D'ailleurs, la première mission, on va la faire ensemble. Et on va appeler Quick J et lui demander s'il a quelque chose pour nous. Ok, ok, ok. Allez, viens, 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 on va aller ensemble. Est-ce qu'il va me suivre? Ah ouais, il va me suivre, il va me suivre. Allez, Jessica, toi aussi, tu viens avec moi. Elle ne veut pas venir avec moi. Ok, elle peut venir avec moi, moi. Non, elle ne veut pas. Alors, je vais aller avec mon gars là, mais j'ai besoin d'une arme. Alors, je sais pas comment je vais faire sans arme. Allez, viens mon gars, viens, on y va ensemble. On va récupérer une voiture pour le gang là. Le chef du gang m'a demandé. Il y a une voiture qu'il veut que je vole là. Allez, il va me payer, je crois. J'ai pas vu combien il va me payer. Attendez, on va voir ça ensemble. Allez, il nous a dit 4000 dollars les gars, 4000 dollars pour cette mission. Voilà, mais ça sera difficile, ne croyez pas que c'est... Je vais le gagner facilement, donc on y va. Alors, il y a un pote que j'ai une connexion. Je peux acheter une arme chez lui, chez Z. Mais j'ai pas envie d'acheter parce que c'est 300 dollars. C'est 300 dollars, c'est une arme à feu, 300 dollars. Mais j'ai pas d'argent. Et si je peux l'acheter, mais ça sera à crédit, donc j'ai pas envie d'avoir des dettes maintenant, parce que c'est pas sûr que j'aurai l'argent pour le payer. Et si je le paye pas, il augmente les intérêts, et donc j'ai pas envie que ça arrive à 800 dollars au bout de 5 jours. Pour l'instant, il n'y a pas de policiers, j'espère qu'ils vont pas m'arrêter, il faut que je conduise doucement. Allez, là on vient d'arriver. On vient d'arriver au quartier là. Il nous a demandé de venir voler une voiture là. Alors je vais. Alors c'est une voiture que je dois chercher. Je sais pas là, je vais trouver. J'espère que les gangs rivales ne vont pas nous voir, parce que là on risque de se faire allumer et j'ai pas d'armes. Les gangs rivales commencent à me tirer dessus. Allez, on va d'abord régler ce problème là. Ouf, il a failli nous massacrer. Est-ce que j'ai pris son arme? Ouais, voilà, maintenant j'ai une arme. C'est ça la voiture qu'on doit prendre, je crois. Je crois bien. J'ai échoué la mission, les gars. J'ai échoué la mission. En fait, il fallait pas que j'endommage la voiture. Là, ça serait difficile.
Mais ils ont m'ont donné. Ah là là. 0 $, les gars. 0 $. Franchement, ça va devenir plus difficile que je le pensais. Allez, on va voir s'il a une autre mission. Alors là, les flics viennent de m'attraper, les gars. Ils viennent de m'attraper parce que je suis allé très très vite sur la route, sur l'avenue. Ah, monsieur le policier, bonjour monsieur le policier, je n'ai rien en tout cas. Je sais, ma voiture elle est abîmée. J'ai pas d'essence, j'ai rien les gars. On va vendre cette caisse parce que j'ai rien, je n'ai pas un rond les gars. De fauché à millionnaire comme on peut dire. Alors on va vendre cette voiture, on va vendre cette caisse aussi. Et on retourne. J'ai pas un rond. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je crois que je vais commencer le banditisme, les gars. Je vais essayer de voler des gens. On va voler cette madame là. On va voir est-ce que le mode que j'ai mis, je l'ai installé parce que je sais pas si. Allez, monsieur, donnez-moi tout ce que vous avez. Voilà, 32 $. On n'a pas le choix. Ah, les keufs sont là et lui aussi. Madame, donnez-moi tout ce que vous avez. 200 $. Ok, là ça va, là ça va. Et on va s'échapper avant que les keufs nous attrapent. Je crois qu'on peut se cacher ici. Alors voilà, ça a marché. Alors là, je suis fatigué. On va voir est-ce que je suis. Oh, j'ai soif les gars. Il faut que je boive quelque chose. Non, non, je voulais pas fumer. Je veux boire quelque chose. Sinon, ma vie, elle diminue au fur et à mesure et je risque de mourir. Allez, on va continuer. Est-ce que on a pu vendre? J'ai l'air fatigué, les gars. Regardez comment il marche. Bon, on va fumer un peu là. Bon, ça va là. Je crois on va boire encore un peu. Et on va prendre un peu de ça pour un peu de cigarette. On va fumer un peu la cigarette pour. Et on va devoir voler quelqu'un d'autre. En attendant, on a que ça à faire. Allez, donne-moi ce que tu as. Vite. 12 $, c'est quoi ça? Alors, les keufs sont de retour. Allez, fuyons, fuyons vite, les guys, parce que je n'ai que volé 12 $. 12 $ seulement. Oh. Alors, là, je crois pas qu'ils vont me trouver. Hein. Ok, on a semé les poulets. On les a semés, mais j'ai gagné que 12 $. Et vendre la voiture, ça prend du temps. Regardez tout le temps que ça a pris. On va aller récupérer notre caisse là. Attention, ne pas se faire attraper par les keufs parce que j'ai pas d'argent pour payer. Alors, je viens d'arriver là. Ici, on peut acheter de l'essence, mais c'est trop cher, les gars. C'est trop, trop cher. Je vais d'abord attendre. Ah là, 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 il y a quelqu'un. Il y a une victime. Attendez, attendez, vite. Allez, donne-moi ce que tu as. Putain, il a voulu m'échapper. 200 $, mais ils sont pauvres dans cette ville. Oh là là, les keufs viennent de m'attraper là. Ça devient difficile. Meurtre à main armée, les guys. Premier meurtre. On doit s'échapper parce que là.
Ouais, les keufs, je les entends, ils sont juste ici à côté. Ah, ils m'ont trouvé, ils m'ont trouvé. Ouah là 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 là, c'est chaud, je risque de me faire coffrer encore. J'aurais pas dû, j'aurais pas dû. Je suis épuisé, les guys. Je vais me faire attraper, je vais passer par ici. Je vais monter par ici. Je peux pas grimper là? Même l'hélicoptère est là. Ah là 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 là, ça sera chaud, ça sera chaud. Ah là, ils m'ont trouvé, ils m'ont trouvé. Premier épisode chaud, les guys. Ça servit à rien de descendre ici. J'ai pas réfléchi. On saute ici. Je suis épuisé. Je vais sauter. Je suis toujours en vie. Ah là là, oh, je me suis blessé. Oh, ça prend trop de temps de. Je vais me faire massacrer. Ah là là, j'ai plus de force pour courir. Ah, le camion, le camion. Je veux me rendre, les gars, je veux me rendre. Je veux me rendre. C'était trop chaud, les gars. C'était trop chaud. Je pouvais pas les échapper. Encore une fois en prison, je quitte. Alors, les guys, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. On va se retrouver pour l'autre épisode. Ouais, je vais essayer cette fois-ci de mieux faire parce que là, franchement, on commence très très mal le banditisme. Laissez un like, abonnez-vous. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin et à plus.